Bienvenue Madame Carmina Bourana. Au nom de toute l'équipe de la base Atlantica de l'océan Pacifique, je vous souhaite la bienvenue. Par ici, je vous prie. Merci. Donc, commençons la visite. Nous nous trouvons présentement dans la salle du personnel. L'équipe est composée de Xavier Patrice Machacoche. Voilà. Ah, du domaine informatique. C'est lui qui s'occupe de l'automatisation de la base. Ah, par ici, nous avons Harry. Mon nom, c'est Jean-Guy Sawyer. Voici Jean-Guy Sawyer, chargé de nourrir les requins. Et mademoiselle Maria de Los Angeles Rivera Martínez Hortensia. Nous l'appelons simplement Rococo Sombrero. C'est elle qui s'assure de la sécurité. Bonjour. Bravo, Coco. Elle ne parle point le français, ni veut le comprendre. Ce n'est pas grave, ignorez-la. Malheureusement, notre médecin-chercheur sur les requins, Sergei Mikhailitch, est présentement à l'extérieur. Et Yegor, notre cuisinier, se repose. Alors je vous laisse entre de très bonnes mains. J'ai du travail à faire. Bonne journée. Bonne journée aussi. Merci. Dites, vous voudriez pas me montrer les requins? Pas habillé comme ça. Ok? Monsieur Mikhailitch? Oui. Qui êtes-vous? La patronne, Carmina. Ça, patronne? Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Parce que vous, si je devais vous résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je crois que ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et quand on a le goût de la chose, mais de la chose bien faite, on ne trouve pas nécessairement le miroir, l'interlocuteur en face de soi. Mais voyez-vous, ce n'est pas mon cas, comme je le disais, parce que moi, j'aime la vie. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, je suis patronne à la tête d'une multinationale incroyable. Mais qui sait, demain, tout ça peut pas. Moi, pourquoi me mettre au service à la communauté et ainsi accomplir le don de soi? Je pense que Jean-Guy m'appelle. Mais attendez, Non, désolé. Des requins? Mais... Un peu de vitamine leur fait certainement pas de mal. Venez, venez, petit, venez. Mais qu'est-ce que c'est? Ce Jean-Guy, il a encore mélangé les boîtes. Ce sont des céréales. Sacré Jean-Guy. Mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, il passe à des formations génétiques. Je dois avertir les autres. Regardez, vous avez vu ce que j'ai trouvé? Ne dis pas que... Oui. Comment? Rendez-moi là. Jamais. Alors on peut appuyer cette boîte de céréales. Sangre. Es muerta. No, ya no vive. Je vais chercher Jean-Guy. Mais putain, ils sont où les deux autres? Ils sont pas assez cons pour se perdre dans la base quand même. Putain. J'ai envie d'être. Ouais, bon, ça va, hein? On est bien. J'étais perdu dans la base.
base. Qu'est-ce que je disais? Et elle est où, Esperanza, hein? C'est à peu près la seule personne parlable ici. Et c'est justement pourquoi on vous a fait venir. Elle est morte. Quoi? Comment? Comment elle peut être morte? Bah, elle a été bouffée par les requins, c'est pas assez clair? Bah non. Je croyais que vos requins étaient inoffensifs. J'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qu'on vous avait dit alors? Absolument rien. Et le corps, on a mis à la morgue. Il y a quelque chose de clair, c'est que quelqu'un l'a poussé dedans. Et il m'a fait que nos points de se jeter dans la piscine. Ça, je veux bien croire, c'est à peu près la seule qui est par des bugs ici. C'est le temps de passer à l'action. Il y a sûrement quelqu'un qui s'est infiltré ici. Il n'y a pas d'autre explication. Ben, moi, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous fournir des armes. Hein. J'en ai apporté un qui me comptait. Je suis une ancienne de l'armée. Ah bon. Tiens. Mikaïch. Le GT-52 pour toi. Je blesse pas avec ça. Votre poulon. Un autre GT-52 pour toi. Tu vois? Là, tu vas prendre le risque de te passer une mitraillette. Merci. Quant à moi, je prends les deux armes les plus efficaces, étant donné que je suis probablement la seule à savoir tirer ici. Mais bon. Sawyer. Essaie de pas tirer comme une gonzesse. Alors, si vraiment il y a un mec ou une meuf qui s'est infiltré, il n'y a qu'une chose à faire, faut le trouver. C'est clair. Et pour ça, il vaut mieux se diviser. Alors moi je dis qu'il doit y avoir un mec balèze et un faible dans chaque équipe, ça sera juste. Donc Jean-Guy t'as qu'à aller avec Carmina et moi j'irai avec XP. Minute. Je suis pas faible. Non plus. Bah toi t'es une meuf et lui. Mais toi t'en es presque une alors. Ça revient en même. Et Rokuko elle a qu'à aller avec vous. Nous on en fait pas. Ok? Elle est contente. En plus, donc c'est ça. Donc tiens, je te donne le téléphone. On se rejoint ici dans une heure. Ça marche? Pas très bien.